Bonjour à vous tous qui nous suivez sur notre émission Pure Évangile. Mbote mingi na bande konyoso bazali kolanda biso na émission na biso ya Sangomalamu ya Kitoko. Et nous vous remercions également pour vos idées, vos suggestions. Na to pesi bino merci ya mingi po na ba remarque bosala ki biso et puis na ba idée bo pesa ka biso. Et également surtout sur votre bonne volonté d'obéir à notre Seigneur Jésus-Christ. Surtout pour les sous na volonté à madame ou bondimi et à tous à mon conseiller sous Christ moi dans l'ensemble. Parce que c'est lui qui est le chef de l'église. Pour yende azali mon conseiller à ecclesia. Il est le bâtisseur de l'église. Yende mutazali kotonga ecclesia. Et il a posé les fondements pour que nous puissions bâtir dessus. Achepe fondation pour biso to tonga likolo na yango. Voilà pourquoi nous devons être vigilants. Pour construire selon le modèle et les instructions de notre maître. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant. Et c'est intitulé les béatitudes. Alors aujourd'hui, on aime bien parler de bénédiction. Et nous aimons parler de richesse. Et d'élévation. De succès. Mais Jésus-Christ a parlé d'une chose unique. Il a parlé de béatitude. Dans les temps anciens, beaucoup de personnes ont parlé de bénédiction. Moïse a parlé de bénédiction. Et de malédiction. Na malédiction. Si tu obéis le Seigneur, tu seras béni. Si tu n'obéis pas le Seigneur, tu seras maudit. Et David également a beaucoup parlé de la bénédiction. David mingi sur kopambwama. Si tu obéis le Seigneur, tu seras béni. Okopambwama. Et le Seigneur combattra pour vous. Et te mokonzi pe Yahweh akobunda pona yo. Et David a ajouté un élément. David ya bakisa ki susu loko mususu pe ya motuya. La crainte de l'Éternel. Bobangi nzambe. La crainte de l'Éternel. Bobangi nzambe. Ça c'est une meilleure source de bénédiction. Ya ngonde penza ezali esika oyo te mapamboli nde yaka. Il y a une différence, j'ai tamé une différence entre obéir le Seigneur et craindre le Seigneur. Mon frère peut me dire dans ma maison, on n'entre pas avec les chaussures. Alors, si j'entre dans sa maison sans chaussures, j'obéis à ses instructions. Voilà, na tosi makambo ya yebisingai. Alors, si je connais ce que mon frère désire, ce qui na yebi eloko muninga nanga alingaka, et si je sais ce que lui il n'aime pas, et ce qui pe na yebi o muninga de kodanga alingaka te, même si il ne l'a pas dit, ata ce ka yebi si a yebi sakinga ite, je vais faire quelque chose qui va lui plaire. Na kosala eloko toujours o eko sepelisa ye. Ça c'est la différence. Ya onde bokeseni. Donc, obéir au Seigneur, c'est par rapport aux lois que le Seigneur a données. Mais craindre le Seigneur, c'est plus profond.
celui qui craint le Seigneur, c'est quelqu'un qui connaît ce que Dieu veut et ce que Dieu n'aime pas. Et il sait ce qui peut plaire à Dieu plus. Et puis facilement. Il sait comment satisfaire Dieu. Et il sait comment éviter de se voir ou de blesser l'amour propre que Dieu a envers nous. Voilà les deux niveaux différents. Et dans la vie d'un chrétien, il y a également des niveaux. Certains sont encore dans le niveau de ne touche pas, ne mange pas, ne dis pas ça. Mingi pe mususu bazali na ba na étape oyo ya ko simba te ko lia te. Ou ne va pas là-bas. Ko kende kuna te. Ça c'est bien. Ezape mabete. Mais ce serait mieux. Mais la sengi susu ya motuya lisusu. Que tu en arrives à comprendre ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Ezai motuya mingi ya koyeba eloko nzamba lingaka. Na eloko nzambe alingaka te. Alors, certaines choses ne sont même pas écrites dans ce livre. Mais si tu as la crainte de Dieu, tu as la capacité de discerner ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Amen. Amen. Là, nous sommes dans l'ancienne alliance. Que malheureusement on appelle Ancien Testament. Mais comme je dis toujours, et comme Jésus et tous ceux qui sont cités dans ces écritures disent, et puis ndenge pe Yesu alobaki na baoyo pe bazaki bakomaki na kati na buku baloba. Je peux citer Esaïe. Tika na tangela yo Esaïe. Et puis je peux citer Paul. Nakoki pe kotanga Paul. Eux tous ont parlé de l'ancienne alliance. Et ils ont parlé de la nouvelle alliance. Et puis balobaki pe alliance ya sika. Esaïe disait. Esaïe alobaki azali koloba mingi boye. De la part du Seigneur. Na noko ya nzambe. Je ferai une chose nouvelle. Nako sala eloko ya sika. Je vais conclure avec Israël une alliance nouvelle. Nako sala na bana Israeli ba alliance ya sika. Personne ne dira à son frère, connais le Seigneur. Parce que eux tous seront enseignés de l'Éternel. Ça c'est, il parlait de la nouvelle alliance. Et cette alliance a été inaugurée par Jésus-Christ. Et puis Jésus Massi a yende ta fungola ki rideau ya alliance ya sika. Voilà. Yango wana. Toutefois, mais mingi, Jésus a ouvert la porte du testament que Dieu a prévu pour nous avant la fondation du monde. Yesu nde afungola ki porte ya testament pe mukanda ya suko nzamba zaki na ngopona na mukili. Le testament que Dieu avait pour nous, testament nzamba zaki na ngopona biso, ça a été gardé caché et bomba maka depuis les siècles anciens. Ba mikolo ebele ebele que Paul a qualifié de mystère caché. Yango était Paul a bengi yango ma bongisa mi ya nzambe e bombama caché depuis les siècles, depuis la fondation du monde. Et bombama depuis même et que la mouya mukili. Mais révélé en Jésus-Christ et fungwa mi na kati na Yesu Christo et libéré à nous qui sommes les enfants de la nouvelle alliance. Et puis était amina ba bazali bana ya elembo ya sika. Alors, ce testament a été rendu possible testament comment que se soupolele à la mort du testateur. Parce que mutu oyo apesatika ki testament akufaki. Et c'est Jésus-Christ qui était mort. Et c'est qui ndé Yesu Masia o akufaka. Et donc Jésus a ouvert le testament. Yesu ndé afungoli rideau. Il y a testament. Donc il n'y a qu'un seul testament. Et ça quand le testament kaka moko. Mais il y a eu plusieurs alliances. Mais ndé ba alliances là qui ndé ebelé. Bondeko. Bondeko zaki ebelé.
Dieu a traité une alliance avec Adam et Ève. Nzamba saki bondeko na Adam na Eva. Il a traité une alliance avec Abraham. Nzamba saki bondeko na Abraham. Une alliance avec Noé. Nzamba saki pe bondeko na Noah. Une alliance avec Moïse. Nzamba saki bondeko na Mose. Une alliance avec David. Nzamba saki bondeko na Dawidi. Et une alliance à nous, Église, par Jésus. Et puis, à ça, je suis bon de construire ce qui est pas une bisso ecclésia, y'a Yesu Masia. Alors, les alliances sont plusieurs. Bon de quoi, penza et belé. Mais le testament est un. Mais testament, j'ai dit caramoko. Donc, s'il vous plaît, je vous demande de corriger le langage Ancien Testament, Nouveau Testament. Il n'y a qu'un seul testament. Bande konanga ba na nzambe na ko senga na bino pardon penza bo luka bo bongisa langage wana ya bondeko ya kala na bondeko ya sika. Bondeko kutu ya juste bondeko za alliance. Bondeko kutu ezali kitoko po bondeko ezali de alliance. Mais testament mukanda. Mukanda. Le testament est un. Testament ezali caramoko. Ce testament n'est pas divisé en deux parties. Testament où ils allaient et comment mettent l'habiter demi balé. Mais c'est un. Et ça a rebellé mon corps. Seulement dans l'ancien temps. Mais dans le temps où il y a kalaka kandé. Dieu a parlé, a utilisé des langages différents. Nous avons demandé à utiliser qui ban kolobamo ko ya bokeseni makasi. Par rapport à la nouvelle alliance. Par rapport ya bondeko ya sika. Parce que nous sommes les enfants, les produits de la nouvelle alliance. Pour bisous ayi bana ya bondeko ya sika. Alors, lorsque nous sommes entrés dans l'alliance avec Dieu, tant to koti na bondeko na nzambe tata, le sang de Jésus a déjà coulé. Makila Yesu Christ de siès et siès sopa maki. Et nous sommes rendus enfants de Dieu. Et te komisa bana na nzambe. Avant la mort de Jésus, yambo ete mo konzi Yesu Christ wa kufa. On ne parlait pas d'enfants de Dieu. On parlait de peuple de Dieu. Mais nous ne sommes pas peuple de Dieu, mais nous sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a parlé d'une façon supérieure à la façon dont il a parlé dans les anciennes alliances. Yangwana motindo nzamba za kolobela biso za tenema mutu ya pele ki makasi na bondeko ya kala. Et concernant les bénédictions, et le lote na nzela ya mapamboli, le mot bénédiction avait un sens dans les anciennes alliances. Eloko oyo mapamboli ezaki na eyam ndimbola mususu na bondeko ya kala. Et dans la nouvelle alliance, na bondeko ya sika, bénédiction a un autre sens. Lipamboli ezana ndimbola mususu. Lorsque David parlait de bénédiction, tango ete David azali koloba mapamboli, même Moïse, ata Mose ou Abraham, tope Abraham, ces bénédictions étaient de nature terrestre et matérielle. Ma pamboli yango ezalaki mingi mingi, ma pamboli oyo etikalaka kaka na mokili oyo. Amen. Amen. Et Jésus-Christ est venu. Yesu Masia ayé avec un message nouveau na matea ya sika. Et cette bonne nouvelle, ce n'est pas la bonne nouvelle de la terre de Canaan où coule le lait et le miel. Et matea yango ya Yesu Christ sangomalamu yango eza ya kanate oyo esika ete miliki tope mafuta nzoi ezali kotanga. Mais c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. Mais ezali nde sangomalamu ya bokonzi ya likolo. Amen. Amen. Et d'où la bénédiction que nous devons rechercher s'applique un autre sens. Yango ete mapambolo biso to lukaka ezwa sens déjà mususu. Bien que nous avons besoin de ces bénédictions, ata ete nous avons besoin de mapambolo ya mokili oyo. Mais Jésus-Christ n'est pas venu annoncer ses bénédictions terrestres. Mais Yesu Masia a été à ma pamboli à mokilité. Non. Bongo tende konangai. Et ni les apôtres n'ont pas passé du temps à annoncer aux gens ses bénédictions terrestres. Ata ba apostolo ba le Christ qui tangu na bango te ya ko te ya ka batu.
Mais ils ont passé leur temps mais à annoncer le bonheur à venir. Mais il y a voilà pourquoi l'évangile de Jésus est intitulé. L'évangile du royaume des cieux. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et ce royaume également apporte des bénédictions et des promesses et des garanties qui sont de loin supérieures à ce que Moïse a annoncé. Moïse a dit par exemple, si tu obéis à toutes ces lois que je vous dis aujourd'hui, ton grenier sera béni. Ton élevage sera béni. Ta femme sera bénie. Toutes tes entreprises seront bénies. Alors, toutes ces bénédictions ont un délai. Lorsque tu meurs, ces bénédictions n'ont plus de raison d'être. Amen. Amen. Mais les bénédictions dont parle Jésus ne sont pas affectées par ta mort. Parce que ces bénédictions seront avec toi à partir d'aujourd'hui et au moment de ta mort, après ta mort après et dans le royaume céleste. Voilà pourquoi je supplie les hommes de Dieu d'annoncer les béatitudes, les bonnes choses que le royaume des cieux a pour nous. Il y a côté il y a sangoma là mais puis ma kamboki toko nzambe azana ngo ba nzambe ba yoka. Parce que pambate si quelqu'un veut un exemple, si quelqu'un veut être riche, ce qui m'entend la posa comme un bongo bozuma kasi, je te conseille de faire de bonnes études na kosenga na otanga makasi même si l'âge est avancé. Ici, ici en Europe, on peut toujours étudier à l'âge de 70 ans ou 80 ans. Nous savons que Mandela a fait ses études de droit en prison. Mandela a ça qui tanga qui makambunae yanzuzi tanga zaki na prison. Et il a fini, il était déjà vieux. Ah si ça qui a comme qui m'obange. Donc tu peux étudier pour assurer ta vie. C'est bon. Et ça ma vérité. Mais ce n'est pas pour cela que le Seigneur nous a envoyé. J'encourage tout le monde d'aller étudier. De travailler dur. Si tu ne travailles pas dur, on ne va pas non plus te garder dans ton boulot pendant longtemps. Mais si tu es régulier, ponctuel. Mais ce que vous allez penser, comme il pèse ma casse na libanga na yo, il y a qu'à heure il y a beaucoup malam. Ton directeur, ton manager va t'aimer. Directeur, entrepreneur, manager na yo pas colingo sous mingi ma casse. Et tu seras conservé dans l'entreprise. Bakobat la place na yo à musala. On te donnera un poste par exemple de commandement. Bari peko tombo la yo na position pour chaper mes biens qu'on a vendu comme sous. Si tu aimes bien voler les biens de l'entreprise. Si vous allez car ko yiba ka si vous allez ko sala. Tu crois que personne ne voit? Si vous allez quand ça monte ça comme on a yoté. Mais tu te trompes. Vous allez comme ils constatent de vos langages. Parce que les gens te voient, ne parlent pas mais te voient. Bah attention qui va t'aller ko debatte. Bah ça dit comme on a yoté. Alors n'espère pas que tu verras l'élévation en vivant de cette façon-là. Ndeko nanga so zali ko tambola bongo ko tata elika mukolo moko te ko mona elevation to be tomba mana yo na ndenge wana. Donc ce que Jésus nous demande de prêcher et l'autre côté ya yambo Yesu masia zali ko senga so te ya c'est d'annoncer les choses cachées, le mystère caché depuis les siècles.
toté à batou ma bomba miwe et bomba ma bamikolo et belé que les gens n'apprendront nulle part ni à l'université ou dans les lieux de formation quelconque. Attache ma kina ma formation sur le pays en dengeni. Mais ce sont des choses que seuls les enfants de Dieu vont recevoir. Mais ça va biloko et ba na nzambe ba kozwa par révélation. Tango moni mosala ko fungola bango mutu pa zo pesa mwinda. C'est le Saint-Esprit là. C'est le Saint-Esprit qui est appelé l'enseignant. Moli mosantu yende molakisi. Il nous conduit à la vérité toute entière. Atambu sarabiso na polele nyonso pi polele mobimba. Alors, le bonheur dont nous parlons c'est un bonheur plus spirituel et éternel. Ezali mingi mingi bo pamba mimoko ezali na na molimo ya na 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 mokili ya molimo et puis ezali ezala etika la kalibela. Et tu peux ne pas voir les fruits de ton travail ici sur la terre. Autant nous ezali komona bambuma ya o ezali ko sat na mokili oyo. Et tu peux croire que tu n'es pas béni. Non, tu te trompes. Ou les gens autour de toi te trompent. Malheureusement également, beaucoup de chrétiens disent que lorsque quelqu'un reçoit un bien, une voiture ou une maison, on dit il est béni. C'est une erreur. Ezali penza ma be makasi tozo sala. Ça c'est un langage de l'ancienne alliance. Ezali ko loba ya batu na tangu ya bondeko ya kala. Amen. Amen. Lorsque Sarah avait eu un enfant, tangu ete mama Sarah azwaka mwana. La Bible dit que Sarah était bénie d'un enfant. Bible de bien était mama Sarah pamba makina mwana. Amen. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, mais na bondeko ya sika. On parle de bénédiction pas dans ce sens-là. Parce que Paul nous dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles depuis la fondation du monde. Parce que l'agneau de Dieu a été immolé. Et lorsque, comme votre vie est en Christ Jésus, et que votre Seigneur Jésus Christ est dans le royaume des cieux, cherchez alors les choses du royaume des cieux. Pas les choses de la terre. Ça c'est dans Colossiens 3. Colossiens chapitre 3. Nous sommes les citoyens du royaume des cieux. Notre héritage est déjà là, fixe. Même si aujourd'hui tu ne vois pas de voiture ou de maison ou d'argent dans tes comptes bancaires, ce n'est pas ça qui définit ta bénédiction. Nous avons été bénis en Christ Jésus avant la fondation du monde. Amen. Amen. Alors, voyons voir ce que Jésus a dit. Nous sommes dans Matthieu 5. Chapitre 5. On commence par le verset 3. Donc, autant la partie à verset 3 jusqu'au verset 12. Tiens, à verset 12. Et alors, bien aimé, tu vas lire en français et moi je vais traduire en lingala. Heureux les pauvres en esprit. Et c'est mon abattu basé babola na molimo. Car le royaume des cieux est à eux. Pour être bokonji ali kolo et ali abango. Heureux les affligés. Et c'est mon abaye au basé kolé là. Car ils seront consolés. Pam bati bakolé ni sama. Heureux les débonneurs. Et c'est mon abattu au basé ali bopolo. Car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Et c'est mon abattu basé dans Nzalape pour ça na Busembo.
car ils seront rassasiés. Bambati bango bako tondi sa manabile. Heureux les miséricordieux, et c'est mon abayo bazali moté mamawa, car ils obtiendront miséricorde. Oete mawa eko pesa mila bango. Ngolo eko pesa mila bango. Heureux ceux qui ont le cœur pur, et c'est mon abato bazali moté ma peto, car ils verront Dieu. Oete ba romona nzambe. Heureux ceux qui procurent la paix, et c'est mon abayo o bazali komi makimia, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux qui sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. C'est vraiment merveilleux. Vous remarquerez que dans les versets du 3 à 12, na verset misatu tina 12, on parle plus du récompense dans le royaume des cieux. On parle de récompense que tu recevras dans le royaume des cieux. Et une récompense terrestre qu'on a citée ici, c'est dans le verset 5. Et dans le verset 5, tu peux lire. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Oui. Amen. Alors, débonnaire, en notre français, ça dit heureux ceux qui sont doux. Débonnaire, na monoko. Tu peux le porto en français. Et là, qui si bao basa kalamité ma penza ya calme. On a dit babengi a quiet spirit. Ona munoko na lopoto ya anglais balobi ete mulimo moko calme. Non pas sorry na lobalinga la. Ce n'est pas quelqu'un qui est agité. Eza muto azaka boye ete. Ou quelqu'un qui aime juste battre, s'imposer, bouger tout le monde pour obtenir ce qu'il veut. Muto alingra toujours ko ningisa baninga bongote. Dieu nous demande d'être doux. Nzambe mokonzi asengi biso tozala mutema ya kimia. Si tu es doux, si tu laisses la justice de Dieu agir, alors tu hériteras de la terre. Amen. Amen. Et même si tu es doux, tu peux ne pas hériter de la terre. Nous savons que Jean-Baptiste a fini sa vie en prison. Il a été décapité. Il était un grand prophète. Il a marché dans la crainte de Dieu. Et Jésus a dit, mais tous ceux qui sont nés de la femme, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. En d'autres mots, Jean-Baptiste, c'est le prophète numéro un, s'il faut le dire. Vraiment, pour nous, nous avons fait ça, c'était ma casse. Et puis, nous avons été Jean-Baptiste, Yohan et Baptiste, Nde, Azali, Moussakoli, Yayambo. Mais, curieusement, nous n'avons pas vu Jean-Baptiste vivre dans ce que nous appelons prospérité. Mais Jésus déclare
de toute personne née de femme. Nul n'est plus grand que Jean-Baptiste. Y compris Moïse. Y compris David ou Salomon. Salomon. Nous savons que Salomon a vécu dans l'abondance. Salomon avant d'aller dans Katina abondance. Et nous connaissons la fin de la vie de Salomon. Yonanga to yebi bosuki ya Salomon. Amen. Amen. Donc les biens matériels bosuya mukilio ne doit pas être ton souci. Okoyi komi tungsa mana yango mingi te. Ne doit pas être ta préoccupation. Omi tungsa mara mingi na yango. C'est bien, c'est nécessaire. Ezali mabete. Mais ça ne doit pas être ta préoccupation. Ekoza ekoyi komi tungsa mara mingi na yango. Ni la préoccupation d'un serviteur de Dieu. Même botungisa mi ya mosali na nkolo. Jésus-Christ ira même plus loin pour dire Yesu masia kei musika pia lobi ete. Bon, je vais pas lire ça parce que le temps passe. Mm-hmm. Jésus a dit, na ne vous souciez pas de ce que vous mangerez ou de ce que vous vêtirez, car votre Père sait ce dont vous avez besoin. Et ce sont les païens qui font ainsi. Jésus a été très clair. Ne vous souciez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous vêtirez, de ce que vous boirez, car ce sont les païens qui font ainsi. C'est triste de voir des chrétiens se battre pour des choses terrestres. C'est pas à moi de dire qui est païen ou qui est chrétien. Je veux seulement vous déclarer la parole de Dieu. Amen. Amen. Cherchons le bonheur qui dure. Cherchons le bonheur que Jésus a prononcé. Bien que des personnes avant lui ont annoncé différentes sortes de bénédictions, mais Jésus-Christ nous a apporté une sorte de bénédiction spéciale. Voilà pourquoi Matthieu a qualifié ça de béatitude. Et ce bonheur n'a rien à faire avec l'argent ou les biens matériels. Que Dieu vous bénisse. Yesu masia pambola bino. Ezali malaki siya lokuta Yesu elobaka. Sokie kotina lito inayo. Sangone sendi.